Milo et le petit chien. Judith, c'est super drôle comme ça. Là, tu vois le petit chien? On dirait qu'il marche à l'envers. Oui. Mais mignon, à qui il est? Ça, je sais pas. Milo, Judith, c'est l'heure. On rentre. Judith. Oh. On dirait qu'il pleure. Si ça se trouve, il est perdu. On ne va pas le laisser tout seul. On le fait entrer. Viens, mon petit toutou. On va s'occuper de toi. Je vais lui chercher de l'eau. Viens, mon petit toutou. Voilà de l'eau. Il me plaît beaucoup. Je vais le garder pour toujours. Mais moi aussi, Milo. On se le prête, d'accord? Oh oui, d'abord chez toi et puis après il vient chez moi. Super. Et comment on l'appelle? Comme sa tache, là, sur le nez. On va l'appeler Tache. Il veut jouer avec nous. Mais d'où vient ce chien? Il est perdu, maman. Alors on l'a adopté. Oh. Adopté? Regardez, il a une médaille. Il s'appelle Riri. Et il y a aussi un numéro de téléphone. Ce petit chien a dû se sauver de chez son maître. Peut-être que Riri avait envie de se promener et il ne sait plus où se trouve sa maison maintenant. Oh, c'est trop triste. Je vais appeler le numéro sur sa médaille, hein, maman? Oui, Milo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, madame, Riri va très bien. Il a joué au ballon. Je suis très heureuse. Je me faisais tellement de soucis depuis hier. Mais je suis trop âgée pour me déplacer. On va vous le ramener. Je vous passe ma maman. Oui, bonjour, madame. S'il a un maître, ça veut dire qu'on ne peut pas le garder. Oui. C'est vrai? Vous voulez bien que Judith et moi, on promène Riri? Mais bien sûr, vous n'aurez qu'à lui mettre sa laisse. Tu vois, Judith, on l'aura quand même un peu à nous, Riri. Et quand vous reviendrez de vos promenades, il y aura toujours un gâteau qui vous attendra. Vous voulez bien qu'on commence maintenant? Élise et l'inconnu. Une barbe à papa! J'adore ça! C'est bête, je n'ai pas mon argent de poche. Pas la peine de rester là alors. Dommage! Pile à l'heure, Martin! Salut, Martin! Mais Élise, où elle est? Hein?
Élise, je l'ai aperçue vers le bassin avec son père. Son père? Mais ce n'est pas possible. Si, Milo, je t'assure. En plus, elle mangeait une barbe à papa. Et elle lui donnait la main. Impossible, je te dis. Il est à son travail, je le sais, parce que ce matin, il a accompagné Élise chez moi. Oh. Mais avec qui elle est alors? Vite, au bassin! Vous allez plutôt l'effrayer, votre copine, à crier comme ça. Non, non, on veut juste qu'elle nous entende. Elle a disparu. Oui. Avec un inconnu. Il paraît qu'il y a des gens qui offrent des choses aux enfants pour qu'ils les suivent. Oui, et après ils peuvent leur faire du mal. Allons, du calme. D'abord, on va s'assurer que votre ami n'a pas quitté le parc. Allez par là, on se retrouve devant le kiosque. Je suis vraiment désolée. Vous vous êtes demandé où était passée Élise. Je sais qu'il ne faut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui veut nous donner quelque chose. Jamais je ne ferai ça. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Tu ne peux pas en vouloir à tes copains s'ils se sont inquiétés. Ben oui, tu aurais dû nous le dire que tu restais avec ton oncle. C'est vrai, j'aurais même dû me présenter à vous tous. Une barbe à papa pour se faire pardonner, ça vous dit? Maintenant qu'on te connaît, c'est d'accord. La grue. Oh, d'où vient cette belle grue? C'est Thomas qui me l'a prêtée. Elle est vraiment magnifique. Vroom, vroom. Oui. Ne soulève pas des objets trop lourds. Oh, Milo,
On joue avec la grue de Thomas? Non, pas possible. Pas possible? La grue, je l'ai rendue à Thomas. Ah bon? Et si j'allais vite chercher mon camion pour qu'on joue ensemble? Oui, bonne idée. Tu ne joues plus avec la grue? Non, je l'ai rendue. Ah bon? Déjà? Milo, c'est Thomas! Monte, Thomas! Bonjour! Milo, devine ce que j'ai apporté pour jouer avec la grue! Mais, Milo, tu ne m'as pas dit que tu avais rendu la grue? Non, je l'ai prêté à Vincent. Ah bon? Pas grave, viens, on va jouer avec le bulldozer. Salut Thomas. Salut, super ton camion. Merci, t'as amené ta grue? Mais non, c'est toi qui l'as. Moi? Non, Milo te l'a rendu. Ne mens pas, c'est toi qui as ma grue. Je n'ai pas ta grue et je ne mens pas. Milo, où est la grue? J'ai menti à Vincent. J'ai menti à Thomas. Oh. Et aussi à toi, papa. Pourquoi as-tu menti? Parce que... j'ai cassé la grue de Thomas. C'est dommage si elle est cassée. Mais il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité, Milo, même si c'est difficile. Pardon, Thomas. Pardon, Vincent. Mais elle n'est pas cassée. C'est juste un écrou à revisser. Je reviens. Allez, viens, on va jouer. Tu conduis le camion. Et voilà une belle grue toute neuve.